Y ahora le vamos a preguntar algunas cositas para una entrevista para vosotros. Y eso lo vamos a subir a YouTube, así que lo vamos a hacer todo en francés y luego está subtitulado y lo podréis ver entonces. Así que empecemos. Sí. Alors Gluto, déjà, ça va? Comment ça se passe ta journée, ton braquette Je suis archi fatigué, je t'avoue. Bon, le braquette, ça allait, j'ai pas eu trop de problèmes. Mais disons qu'après, j'ai joué beaucoup avec un peu tout le monde. Du coup, là, je veux juste me reposer, bien manger et me préparer pour demain. Ok, très bien. Eh ben, on va rendre ça rapide alors. Première question, pourquoi est-ce que tu fais de la compétition dans Ultimate et comment est-ce que ça a commencé? Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime trop la compétition. En fait, c'est un truc que j'adore. J'ai toujours aimé ça, que ce soit même de base à l'école ou quand je jouais avec des potes, j'avais toujours envie de gagner. Et Smash, c'est un jeu qui me correspondait particulièrement, donc j'ai commencé la compétition il y a déjà un moment. Et vu que Ultimate était encore plus connu et avait encore plus d'ampleur, bah, je pouvais pas m'arrêter à ce jeu-là, vu qu'on n'attendait que ça depuis tellement longtemps, et finalement ça a pris assez d'ampleur, donc maintenant je me mets à fond dessus. Excellent, alors deuxième question, est-ce que maintenant tu as 100% dans Smash ou est-ce que tu as d'autres occupations, des projets, des études Non, de base j'avais déjà fini mes études et j'étais déjà en train de travailler, j'étais plus informaticien. Et c'est pendant ma première année de travail en gros que j'ai été recruté chez Solary et maintenant du coup je suis full time Smash grâce à Solary. Parfait, le petit storytelling pour les amis espagnols. Alors troisième question, c'est quoi ta plus grande force et ta plus grande faiblesse en tant que joueur? Ma plus grande faiblesse, c'est que je suis con. non, en gros, disons que j'ai beaucoup travaillé dessus, donc ça se voit moins, mais en vrai, ça reste quand même ma faiblesse, c'est mon impatience. De base, je suis un joueur qui veut tout le temps foncer, mais genre vraiment tout le temps. Donc j'ai dû travailler énormément pour faire des matchs comme j'ai pu proposer récemment, où je fais que de camper en fait, et c'est pas du tout dans ma nature. Donc j'ai dû beaucoup travailler dessus, donc c'était ça ma plus grosse faiblesse, on va dire. Ma plus grosse force, ça va être deux choses. Non seulement dans le jeu, on va dire, c'est mon avantage state et mes reads. J'arrive très bien à conditionner, à trouver des reads, à avoir un avantage de fou et j'arrive à provoquer des trucs bizarres dans le jeu qui sont toujours en ma faveur. Donc des trucs, je joue un perso, tu l'as vu toute ta vie ce perso là, je vais le jouer, je sais même pas le jouer et il va se passer des trucs bizarres et juste je follow, je réagis à ce qui se passe et du coup ça se produit. Et ma deuxième, on va dire, c'est au niveau de mon travail vu que je suis très très rigoureux dans ma façon de m'améliorer et de travailler et c'est pour ça que j'arrive à toujours m'améliorer et à être parmi les meilleurs. C'est vrai qu'on se rend toujours compte qu'il y a des actions très très bizarres qui se passent. Et pour ça arrive, est-ce que pour compenser tout ça, est-ce que tu te mets dans un mindset en particulier? Comment est-ce que tu prépares pendant et avant un tournoi ton mindset pour jouer? Concernant ces situations bizarres là, depuis que je suis petit ça arrive, donc j'ai rien fait pour. Mais pour le reste, c'est vraiment du je vais me préparer déjà mentalement en mode ok, je fais un tournoi, est-ce que je suis déjà dans les bonnes conditions? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à ce tournoi là? Est-ce que ce tournoi là est important? Comment je fais pour me préparer pour la braquette? La braquette c'est très important, genre faut savoir contre qui tu vas jouer, connaître le match-up, si tu peux pas jouer contre des gens avec ce personnage là, faut au moins regarder des vidéos. Faut vraiment beaucoup se préparer, que ce soit mentalement ou physiquement ou même au niveau du jeu. J'essaie aussi de bien préparer en mode faut pas que je sois fatigué pendant la veille du tournoi, faut que je l'ai bien travaillé, faut pas que j'ai trop joué non plus, sinon si j'ai pas envie de jouer, je suis là-bas, ça sert à rien que j'y sois. Donc voilà, faut que toutes les conditions soient réunies pour que je puisse jouer de manière optimale et que ma motivation soit au maximum aussi. Je vois, c'est vraiment excellent. Et avec cette discipline et avec le rythme que tu tiens actuellement, est-ce qu'il y a un joueur dans le monde que tu crois que tu ne peux pas battre? Alors avant, il y en avait plein où je me disais si je les bats, c'est juste qu'ils ont fait n'importe quoi et qu'ils n'étaient pas à fond parce que j'ai pas le niveau pour les battre. Et pour moi, par exemple, MKLeo, c'était le cas. Genre, j'avais clairement pas le niveau pour battre. Et maintenant, je pense que si on est tous les deux à fond, ou n'importe quel autre joueur est à fond et que je suis à fond, je peux battre n'importe qui. Il y en a quand même qui peuvent me battre, il y en a beaucoup qui peuvent me battre parce qu'il y en a plein qui sont super forts. Et du coup, il y en a quand même plein qui sont encore dangereux. Mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse me bloquer complètement, même si ça veut pas pour autant dire que c'est facile ou quoi. Parce que par exemple, T, je l'ai jamais battu. Alors que, disons que globalement, je fais des meilleurs résultats que lui en ce moment. Pourtant, je l'ai jamais battu parce qu'il est très très fort et que il arrive bien à jouer contre moi, etc. Donc c'est difficile contre lui, il n'y a pas de débat. Mais je pense pas que ce soit impossible. Je comprends tout à fait, donc t'as acquis toute cette expérience à travers tes divers voyages à travers le monde. T'as rencontré plein de styles de jeux différents. Et est-ce que tu comprends, enfin est-ce que tu perçois une vraie différence entre du coup le style de jeu, déjà le tien, et celui d'ici, la France, l'Europe et les autres régions du monde? Ouais, il y a vraiment un style de jeu particulier en Europe, que ce soit en Europe, après tu vois au Mexique c'est différent, tu vois aux US c'est différent, au Japon aussi. Et il y a vraiment ce ressenti là. Avant c'était clairement, ailleurs c'est mieux, ici c'est nul.
Là, c'est pas tant le cas que ça. Disons que là, on a développé une certaine méta, une certaine façon de jouer. Et on l'a bien poussé, qui fait que bah, on est quand même bon dessus. Bien sûr, on peut s'inspirer des autres pour aussi copier, etc. Mais on a un jeu propre à nous qui commence à être bon. Avant, c'était clairement les autres sont bien. Nous, on est nuls, faut qu'on change. Maintenant, on a développé notre petit truc. C'est bien aussi, c'est pas le top. Mais c'est bien aussi. Et il faut quand même qu'on prenne d'ailleurs aussi pour s'améliorer. Mais oui, clairement, la façon de jouer est pas du tout pareille en fonction du continent où on se trouve. Les Américains, ils sont plus en mode, ils prennent un perso, ils abusent à fond du perso, ils connaissent, ils ont même pas besoin de connaître le jeu en soi, juste ils connaissent leur perso à fond et ils abusent à fond de ce perso-là. Alors qu'au Japon, ils sont plus en mode, ils vont développer eux-mêmes la méta du perso, ils travaillent énormément, ils sont à fond sur leur perso, ils vont même s'ils perdent des match-ups de fou, ils s'en foutent, genre ils veulent juste jouer leur perso et donner au maximum avec eux. C'est pas exactement les mêmes mentalités. Aussi aux US, ils ont un petit peu plus envie de gagner, on va dire, genre il y a plus moyen de faire son business là-dedans, gagner sa vie avec. En Europe, c'est plus dur, au Japon, encore pire. Donc forcément ils sont un peu plus slaves en mode ils veulent donner de leur mieux tout le temps, mais c'est pas spécialement pour avoir une carrière de nom. Très bien, je vois. Et outre le style de jeu, en fait, quand tu voyages dans d'autres régions, est-ce que tu perçois un choc culturel qui te marque vraiment, que ce soit dans la Commu Smash ou en général, quoi? Ouais, après c'est juste des différences, tu sais, par exemple aux États-Unis c'est pas du tout la même culture, ou au Mexique c'est pas exactement la même culture non plus. Je suis allé dans plein de pays où c'était très différent. Après ça correspond à certaines personnes ou pas, et c'est juste très différent, mais c'est super cool de voyager autant pour voir toutes ces nouvelles choses et ouvrir son esprit un petit peu. Tu vois qu'il y a des trucs qui se passent ici et qui pourraient pas arriver ailleurs parce que la culture l'interdit ou des trucs comme ça. Du coup, tu peux voir, tu vois des choses différentes tout simplement et tu expérimentes. Et c'est cool de pouvoir aller partout et de voir tout ça pour un petit peu élargir ses idées et se dire ok, ça existe ailleurs, chez nous ça existait même pas, je pouvais même pas imaginer que ça pouvait exister ici. Et là-bas, ça existe, donc c'est cool. Je vois. Et à ce propos, selon toi, quelle est la chose dont la commu compétitive d'Ultimate a le plus besoin maintenant? En ce moment je sais pas. On est quand même sur une bonne lancée dans le sens où on fait de plus en plus de tournois. Il y a de plus en plus de joueurs. Il y a même des influenceurs qui s'intéressent au jeu. Il y a plein d'invitationnals, etc. Donc disons qu'il y a une petite discorde au niveau des persos là en ce moment avec Steve, etc. Faut que tout le monde se mette d'accord et que ça arrête d'être toxique, parce que les pauvres joueurs de Steve, certes on peut détester le perso autant qu'on veut, il y en a ils se prennent quand même la sauce pour rien. Donc j'espère que là-dessus ça va se résoudre au plus vite. Très bien, merci pour ces paroles. Et alors, question suivante, c'est quoi par exemple un pays auquel t'as pas encore été et que t'aimerais visiter? Le Japon, clairement. La Corée, j'aurais bien aimé aussi. Mais le Japon, c'est quelque chose qui était en projet, mais à cause du Covid, on peut pas cette année. J'aimerais bien y aller, vraiment. Pour la bouffe, surtout. Bien évidemment. Question suivante, du coup. Là, il va falloir se rappeler. Je pense qu'il va peut-être pas falloir se rappeler très loin, mais selon toi, quel est le meilleur moment de ta carrière qui t'a le plus fait kiffer? C'est le Genesis, clairement. Le Genesis avec ce top 8 et cette arrivée en grande finale, malheureusement MKLeo m'a cassé la gueule à la fin, mais au moins je me suis vengé la semaine d'après, donc ça me bat. Genre si c'était juste ça, j'aurais été ok, j'étais content, mais vas-y, j'ai le seum. Là j'ai pas trop le seum puisque la semaine d'après je l'ai envoyé, donc ça me bat. Donc c'était clairement le Genesis plus le Pound en complément, c'était parfait. Je vois, on s'y attendait. Et pour finir, quels sont tes prochains objectifs? Continuer sur la même lancée et toujours m'améliorer et final être top 1. Gagner tous les tournois, le plus de possible de tournois, et être meilleur que MKLeo. Même si je l'ai battu la dernière fois et la dernière fois d'avant aussi, je le focus un peu trop. C'est peut-être un de mes problèmes, j'en ai pas parlé, mais je me focus un peu trop sur lui peut-être. Et quand je le bats, j'ai l'impression que mon tournoi est fini, alors que pas du tout. Donc faut que je le fume lui, mais que je fume les autres aussi. Je vois, très bien. On te voit partir sur une très bonne lancée et on croit tous en toi. Et on te remercie d'avoir partagé toutes ces choses-là avec la commune espagnole, du coup, qui t'adore et qui aimerait te découvrir et connaître un peu mieux comment ça se passe. Merci à toi. Merci à vous. Bye bye.